Dans la lutte contre le coronavirus au Gabon, la société de sécurité Série Gabon, ancien DMT Gabon, apporte sa contribution à la banque alimentaire. La direction générale de cette structure a officiellement remis au directeur général du commerce, Jean-François Yanda, plusieurs tonnes de produits de première nécessité destinés aux familles gabonaises économiquement faibles. Cela s'est déroulé à l'entrepôt d'Ovindo. Césarine Andem et Gérard Magnagna. 8 tonnes de denrées alimentaires composées des produits de première nécessité, c'est la contribution de la société de gardiennage DMT Gabon, devenue aujourd'hui Series Gabon. Une contribution citoyenne qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité nationale insufflée par le gouvernement en cette période de crise sanitaire. Vous constatez aujourd'hui que DMT apporte sa contribution à cette initiative du président de la République, chef de l'État. Ça ne peut que nous satisfaire. Et donc, ce qu'on peut dire à ce niveau, d'abord, c'est de féliciter l'entreprise et d'encourager les autres entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises alimentaires à faire comme DMT. Un don qui permettra aux familles économiquement faibles d'être soulagées pendant cette période difficile. Nous sommes une société qui est installée au Gabon depuis quelques années. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de participer à la lutte contre le coronavirus. Donc nous avons ramené quelques denrées non périssables, 7 à 8 tonnes de denrées non périssables. Donc c'est du riz, des boîtes de conserve, des sardines, des bouteilles d'huile et du savon pour les populations qui en ont vraiment besoin. On est très content de participer à cet effort de solidarité qui touche toutes les populations du Gabon en fait. Series Gabon est une entreprise citoyenne implantée dans 25 pays. Elle œuvre aussi dans la sécurité électronique. Cette action rentre dans l'appel à la solidarité lancé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba.